Bonjour à toutes et à tous. Me voici, me revoilà aujourd'hui pour vous présenter les 4 coûts mini cartes 7. Donc, pour cette carte, je vous avais demandé donc tout ce qui était en rapport avec le changement d'heure et tout ce qui vous faisait penser à cela, ainsi que le mot heure. Donc, voilà ma petite carte. Là, j'ai fait avec une petite étiquette qui dit « Prendre le temps de vivre » avec une horloge, une vieille horloge, encore une autre horloge, quelques petits stickers de fleurs sur transparent. Donc, voilà, ici, il y en a un petit peu partout. Ensuite, à l'intérieur, donc le papier design, c'est le même à l'intérieur. Ça vient du même morceau. Et puis, on retrouve donc l'horloge qu'on avait ici en plus petit. On la retrouve ici en plus grand. On trouve trois des petits horloges comme on avait une ici. Pardon. Comme on avait une ici. On en retrouve trois comme ça. Et puis, la même chose, des œufs. Ça, c'est la même fleur que celle-là. Voilà. Et puis, on retrouve plein de petits stickers de plantes ou de fleurs. En transparent. Et puis ici, on a un petit encadré comme ça qui dit le changement d'heure, l'heure d'été. On avance sa montre d'une heure à 2 heures du matin. Il est en fait 3 heures. On dort 1 heure de moins. Le passage à l'heure d'hiver, leur passage à l'heure d'été a lieu le dimanche de mars, le dernier dimanche de mars. Ah, le passage de l'heure d'hiver à l'heure d'été a lieu le dernier dimanche de mars. Voilà. Donc voilà cette petite 4 côtes mini carte. J'espère qu'elle vous plaît. Et puis donc pour la mini carte suivante, je vous donne les thèmes ou... Je sais pas. C'est plutôt... c'est devenu plus les mini-cartes pour Natayotte et 4 côtes parce que il y a que nous deux qui les faisons. Mais enfin, bref, si quelqu'un d'autre a envie de les faire, ben voilà. Sinon, Natayotte, j'espère que ce prochain thème t'inspirera aussi. Alors, le prochain thème, c'est tout ce qui fait penser au printemps. Eh oui, le printemps commence à être là. On a déjà de belles journées. On a encore de la pluie. On a encore du frais par moment. Mais il y a des journées où elles sont vraiment belles et déjà bien ensoleillées. Et le soleil réchauffe déjà la terre. Donc, le thème, c'est le printemps. Et le mot, ce sera le mot nature. Voilà. J'espère que ce nouveau thème et ce nouveau mot Natayotte te plairont. Ainsi qu'à tous ceux qui aimeraient participer également. Et moi, je vous retrouve très très bientôt, très vite, pour de nouvelles aventures. Bye bye!